Encore plus d'ombre. Salut Twitch, salut YouTube, comment allez-vous? Oui, salut YouTube pour ceux qui auront la rediff. Désolé pour le petit fond vert que vous voyez derrière, étant donné que je n'ai pas l'éclairage adéquat. Là, je suis éclairé par ma grosse fenêtre qui est juste là. Et c'est vrai qu'il faut que je me procure absolument ces petites lumières qui sont faites pour. Je vais essayer de m'en procurer deux pour le mettre de chaque côté, comme ça, ce sera plus agréable pour vous. Et pour moi aussi, déjà, voilà quoi. Essayer de rendre le truc au top. Donc là on part sur un petit live matinal les potos sur Assassin's Creed tout simplement. Premièrement, ce sera pas un live ultra long, hein, bien entendu. Étant donné qu'après j'ai les petites à aller chercher et tout, donc du coup c'est voilà, hein, j'ai des enfants et du coup les enfants il faut aller chercher tout ça. Donc on continue cette petite histoire. Souvenez, ah ouais, aussi hier, petite parenthèse pour ceux qui auraient été là au lancement du live hier à minuit, il faut savoir que si le live a coupé, ah pardon, excusez-moi, mais si le live a coupé brusquement, c'est parce que ma connexion internet s'est barrée. Voilà, elle s'est clairement barrée, elle est partie au pays des kangourous. Et du coup, ça m'a coupé brutalement. Et comme il était 1h du matin, j'avais dit que je faisais qu'une heure de live. Ça faisait, la vidéo a duré 58 minutes, des brouettes, une cornée comme ça. Donc c'est vrai qu'elle s'arrête brutalement. Mais c'est pas de ma faute, hein, bien entendu. Donc là, par contre, bon, c'est à quelle heure qu'on parle? Parce que bon, c'est rigolo. Oh, machin en colère. Défilé des collections. Chasseuse. La chasseuse colonie s'intéresse à la faune d'Angleterre. Carte de la des alliances. Ça y est, on peut jouer ou c'est dur? C'est comment la vie? C'est ça, ça va ça le Val? Je suis très déçu quoi. Je m'attendais à quelque chose de plus sexy on va dire. Désolé, le fond vert risque de se barrer. Est de retour et pas à moitié mort. Ah là, pas moitié. T'avoir perdu Eivor pour de bon cette fois. Ton accueil est toujours aussi chaleureux, Renby. Ça m'amère ce fond vert là. Tu ressembles à un vieux morceau de viande. Qu'est-ce qui s'est passé? Il n'y a pas grand-chose à dire. Donc ceux qui nous ont retardés sont morts. Ah, et de tout va bien, même si j'ai passé de mornes journées à calmer les accès de rage. T'as arrêté de parler, madame. De toi. Même si je suis pas. Sigurd, est-ce qu'il est revenu de sa campagne? Les morts. Mon mari aurait dû être de retour aujourd'hui. Aux dernières nouvelles, il approchait de Stavanger. Ton mari s'est fait culbuter. Son courage nous sera utile. Sigurd ne te protégera pas de la colère de son père, Eivor. Oh. Tu devrais commencer à le savoir. Il me fait gronder. Ton attaque ne s'est pas passée comme prévu. Rien ne se passe jamais comme prévu. Mais nous avons tué de nombreux guerriers de Kjotve. Et j'ai trouvé... un god. De mon père parmi les morts. Ah. Après toutes ces années... Ça devrait l'apporter à Gunnar. Il rendra à Salam son tranchant. Bonne idée. Après être allé voir le roi. Ah, ça, je te le déconseille. Il reçoit en ce moment un messager venu du nord. Je peux attendre. Un messager venu du nord. Mais quoi, du nord pas de Calais ou... Tu sembles préoccupé. Je pense que c'est pas un mec qui était vivant là-bas parce qu'il était genre comme ça dans une statue. Mon père 17 ans après. Cela a réveillé quelque chose en moi. Quelque chose que je n'avais pas. Yo Jesse, ça va ou quoi? Depuis le jour de sa mort. Désolé pour le fond vert. Lorsqu'on que tu verras à l'arrière. Ceci. Je peux pas faire autrement. Souvenir de souffrance passée, tristesse et douleur. Je devrais aller parler à Valka. Mais j'aimerais par contre. Pourrait m'aider à mettre. Vous dégagez. Prends le temps qu'il te faudra. Le téléphone, mais le problème c'est que. Ouais, je peux pas dégager le téléphone. On dirait que tu as perdu ton tranchant, Eivor. Je suis vraiment désolé, je peux pas faire autrement. Gunnar pourra peut-être arranger ça. Je te tiendrai au courant. Ouais, ça va, calme-toi, mec. Ouais, alors j'espère que là-haut c'est pas un mec. Vous voyez ce que je veux dire? Là-haut, là, j'espère que c'est pas un mec, que c'est une statue, rassurez-moi. Hein. Parce que si le mec il se tient comme ça en vrai, il va pas vivre longtemps. Hein. Tove, délaisse l'aiguille pour la flèche. Hey, va. Ah, c'est des. C'est des entraînements, d'accord, j'avais peur. J'en serais ravi d'apprendre à tirer à l'arc, mais ouais, va. Je vais niquer. Non, je vais niquer ta mère. Ah, oh, putain, je suis vraiment. Non, je prends pas envie. Oh non, je prends pas envie de t'aider à tirer à la flèche. Sur quête, parler à quête. Alors on va voir les quêtes. On a des codes annexes. C'est quoi ça, les codes annexes?
base de données. Information à propos du monde et de sa population. D'accord, on s'en bat avec. Quête, ok, on retrouve journal des quêtes. Journal des quêtes permet de suivre votre progression dans le territoire en quête actif. Ok. Tout au long de vos aventures, les territoires et leurs quêtes seront affichés. Suivre une quête mettra à jour les informations affichées sur la carte, la boussole et dans le journal de jeu. Ok. Ok, donc là on a deux trucs. Le réconfort d'une Volva. On va faire celui-là. Voilà. Histoire de famille. Content de te revoir. Ah, moi aussi content de te revoir. What the fuck? Bonjour Eivor. C'est sûrement une quête secondaire, donc ce serait intéressant. Personne. Hé, Tekla, qu'est-ce que tu prépares? Alvis dit que ce lot est trop fort. Tu penses pouvoir en boire quelques cornes? Je lèverai autant de cornes que toi. Allez, c'est parti pour se bourrer la gueule. Ouais, c'est parti, mon kéké! Non! Oh, pas tard! Alors, petit tube? Oh, je suis déjà pilot, bordel de merde! Me se tromper de côté. Non, je me suis... Mais je me suis encore trompé de côté avec le joystick. Non. J'aime bien le jeu des Vikings, se bourrer la gueule. Je te vois plus que n'importe lequel d'entre vous. Quoi, j'ai perdu? Mais va te faire foutre, connasse. La plupart de ces crétins se seraient déjà pissés dessus ou seraient en train de gonfler. Ta gueule, j'ai une patate, moi. Venez boire. Ah, je veux plus boire, ça ira. Je suis trop pilot, là. Je commence déjà à boire en étant viking. J'ai encore décollé, Patrice. Personne n'a envie de se mesurer à moi. Oh, personne, sinon je vais gerbler. Mais qui voilà? Un compteur? Il a la tête d'un compteur, lui. Tu t'entraînes à jouer avec les mots, Alvis? Ah, Eivor. La seule personne de Midgard dont je craigne les moqueries. C'est toi qui m'as enseigné l'art de la poésie. Il est naturel que je te surpasse bientôt. Que dirais-tu d'une autre compteur. Leçon? Une petite joute, ici, tout de suite. Cela te tente? Essayons la joute verbale. Je mise toujours quelques pièces. La plupart des gens qui aiment la joute ont aussi un penchant pour les paris. Mais aujourd'hui, pas de mise. Je vais commencer. Je suis prêt. La joute ordonne de joindre rimes et cadences. De par tes mots, l'on en viendrait à la danse. Alors choisis bien les paroles que tu emploies. Car sous ta tutelle, mon prochain adversaire sera ma proie. Non. La rime est bonne, mais trop de mots nuisent au rythme. Maintenant, nous allons passer au sens. Flûte. Toujours savoir se montrer vif et tranchant, être plein d'esprit et non pas bêtement méchant. Si je te dis que tu es idiot, vain et triste... Je dirais que tu n'as rien non plus d'un artiste. Eh, belle réplique. Je t'ai traité d'idiot et tu m'as rendu l'appareil. La joute verbale repose sur l'esprit et tu as su réagir. Lorsque tu hésites entre plusieurs réponses, emploie toujours celle qui correspond le mieux. Un dernier. Va et conquiers le monde de par ton esprit. Ardeur, rhétorique et panache n'ont pas de prix. J'ai hâte de voir en quels termes tu batailleras. Et moi j'ai attaqué.
Mon audace et mes mots sauront te mettre à bas. Parfait, oui. Ce genre de réplique pourrait bien m'anéantir. Ta joute est parfaite. Tu sais manier les verres. De tous tes adversaires, tu useras les nerfs. Merci, Elvis. Je me souviendrai de tes conseils. Ah, c'est fait intéressant. Charisme, on augmente le charisme. Ça, c'est intéressant, par contre. Ça, c'est un bon, bon point, ça. Là-bas, il y a quelqu'un qui parlait. Attends, on va accueillir ça. Ah, ration complète. Oh merde, un jeu 2D, j'aime pas ce genre de truc. Ça par te contre, tenterait bon. Une partie d'horlogue? Ah, l'horlogue. Je connais bien ce jeu. Ah, moi non. C'est toi, les dés ne se lancent pas tout seuls. D'accord, jouons. Je joue bien. Tu sais maintenant à quoi t'attendre. Ah, moi je ne sais pas jouer, moi je comprends pas le jeu. Alors, l'horloge est un jeu où deux personnes s'affrontent en lançant des dés en invoquant des ferveurs divines. Les vainqueurs, le premier joueur à amener la santé de son adversaire à zéro. Chaque manche compte trois phases. Première, la phase de lancer. Les joueurs lancent leurs dés. Offrent divers effets, attaquent la phase 2. Divine, chaque joueur peut procéder à une offrande de... Et l'autre, je pourrais pas lire. Tu lanceras la pièce qui terminera face. Je me suis fait niquer, ça commence bien déjà, je me fais niquer. Au début de chaque manche, votre adversaire et vous-même lancez les dés à tour de rôle. Vous pouvez effectuer 3 lancers entre 2 lancers. Ouais, bon. Alors moi, je m'en fous un peu de ce jeu là. Ah, intéressant. Hein, sélectionne X, les dés pour garder. Ah, d'accord, ok. Je comprends pas trop là. Ah, je vois pas trop avec ma gueule en fait. Je peux pas juste faire comme lui, hein. Sélectionner 3 là de base et voilà quoi. Voilà, c'est carré, ok. Je suis désolé, hein, vous n'êtes pas venu sur live pour faire ça, mais bon. Phase de résolution. Dans cette phase, les effets des dés sont résolus dans l'ordre. Chaque carré rapporte un jeton. Les 1 et 1 sont résolus et leurs dégâts non bloqués sont appliqués. Je peux pas trop lire par rapport à ce que je vois. Merde, en fait, il m'a enculé là, si je comprends bien. Désolé, mon brave, je m'en vais. Une autre fois, peut-être. C'est pas que je t'aime pas, mon brave, hein, mais c'est que c'est drôlement chiant, quoi. Et j'ai pas payé un jeu pour jouer à des dés, quoi. Comprends-tu? Je suis plutôt là pour admirer le paysage et faire en sorte à ce que tout le monde m'aime. Viens là, toi, le pro chevalier. Svend, tu as de nouveaux tatouages? Quelques-uns méritent un coup d'œil. Montre-moi tes tatouages. Vas-y. Les tatouages et coiffures, il est possible de personnaliser l'apparence d'Ivore. Oh, à l'échoppe de tatouages. Oh putain, ça c'est cool ça. Ça c'est très très cool. Donc on peut personnaliser son personnage. Oh, mais c'est génial ça. C'est génial. Alors, voyons voir. Qu'as-tu comme barbe? Ok. Ouais. D'accord. Ah, celle-là, c'est celle que j'avais. What?
Je sais plus laquelle j'avais. On avait celle-là, ouais. J'aime bien celle-là, là. Je vais laisser celle-là, ouais. Do. Bon, le temps que ça se modélise, hein, bien entendu. Dommage que ce soit pas modélisé comme ça devrait l'être, mais bon, un petit peu déçu. Tac, tac, tac. On va mettre celui-ci. Ensuite, on va changer la coupe. On va voir la coupe un peu ce qu'il y a. Ah non, dégueulasse. C'est dégueulasse. Ah, mais c'est dégueulasse ce genre de coupe. Ouais, non, en fait, c'est juste une coupe de cheveux, quoi. C'est pas foufou, quoi. C'est quoi ça? Joie. Ah, ok. Bon, ben voilà, pour l'instant, c'est fait. Bien! Il te faut autre chose. En tout cas, Prend c'est plutôt pas mal qu'on D'accord. puisse modifier. Donc, je suppose qu'il y avoir plusieurs coupes au fil du temps, des tatouages. Ah, c'est plutôt pas mal ça. J'aime bien. C'est sympa d'avoir pensé à ça. C'est vraiment sympa. Par contre, je dois avoir une quête. Ouais, voilà. Une quitte et une quête par là. Ah ouais, il Ami va Guillou, aiguiser mon épée. content de te revoir. Gunnar, j'ai ici quelque chose qui devrait te ravir. Par le tonnerre de Thor, c'est la hache de ton père. Je n'ai rien vu d'aussi beau depuis... Eh bien, longtemps. J'ai forgé cette arme il y a des lustres. Elle est encore belle. Une de mes plus belles créations. La lame est émoussée, mais l'équilibre est encore bon. Tu peux l'aiguiser? Je peux affûter le fil et renforcer la poignée. Tu as de la chance. Il me reste un lingot, je crois, pour accomplir l'ouvrage. Tu en es sûr? Les Nornir l'avaient tissé, n'est-ce pas? Mais à l'avenir, apporte des lingots de métal. Pour forger, il me faut de la matière. Très intéressant tout ça, j'aime bien. Allez, forge-moi donc cette hache, mon fils. Nous avons encore la qualité de notre hache. Elle est plus tranchante, plus sexy. Nouvel emplacement de runes. Ah, il y aura des runes aussi. Ouh, ça m'intéresse. Oh, ouais, oh, deux fois plus puissante là-bas. Il faudra le lingot de métal, donc il faudra qu'on se balade et qu'on cherche un peu les trucs, quoi. Le métal, ces conneries-là, ça va être intéressant. Voyons ce que tu proposes, voyons voir ce qu'il propose. C'est toujours bon à voir ce qu'il propose. Ça c'est quoi? Ouais, il peut l'augmenter, mais je suppose qu'il me manque. Voilà. Ah non, il m'en manque pas. Augmente-moi la qualité. Voilà, ça c'est good. Augmentation de la qualité. Ouais, voilà, je ne peux plus rien faire. On ira chercher d'autres lingots, donc ce sera important de trouver sur la carte des trésors. Comment vas-tu? Portes-tu, Gunnar? Tout va bien? On va je prendre le temps pas de de. Travail et le moral est bon, mais mes nuits sont froides. J'ignore si tu le sais, ma compagne est partie. Je l'ai su, désolé pour toi. Vous étiez ensemble depuis longtemps? Ah, 5 semaines. 5 magnifiques semaines, pleines de passion. Et puis c'est tout. Vais-je un jour trouver ma Brunhilde? Valkyrie parcourt moins le monde qu'autrefois, Gunnar. Revois tes ambitions à la baisse. À la baisse? Eivor, regarde mes armes. Regarde mes marchandises. Je ne suis pas homme à me contenter d'un second choix. Ce sera tout pour l'instant. Reviens quand tu voudras. Très très bien en tout cas. On débloque des choses fort intéressantes. Ah merde, je vais devoir la faire la partie. C'est ça? Ah non, c'est bon. Devrait avoir terminé. Mais si tu as autre chose à faire, n'hésite pas. Cela lui donnera le temps de se calmer. Je pourrais aller voir Valka pour ôter ce poids de mon esprit. Le roi ne bougera pas d'ici.
Mais il est où mon étalon? Réconfort d'Olva, c'est ça? Donc il faut aller là-bas. Merde. Très beau en tout cas. Les décors très très agréables. Oh, une poule. Merci Justine. Hey. C'est ma femme qui m'a fait une petite crêpe au Nutella tout à l'heure. Je le pourrais, mais je n'ai pas envie que tous les pieds de fer fassent fuir le gibier. Apporte-moi 3 bois de cerf pour prouver ta valeur, et je t'en dirai peut-être plus. Ton défi me plaît. À très bientôt. Bois de fer. Incomplet à Valora vit dans les montagnes du nord de. Oh là là. Le clan est heureux du retour des voir. D'accord. Ils vivent dans les montagnes du nord. Montre-moi ce qu'il y a plus loin. Ah, richesse là-bas, vous avez vu? Il y a de la richesse ici dans les montagnes. Oh, allez, on va y faire un tour. Il y a de la richesse et c'est pas négligeable quoi. Mais il y a pas mal de trucs à ramasser là-bas. Je pensais que c'était du sang, j'allais dire, mais merde, tu sais que c'est fait enculer ici. Alors, alors, on danse. Va voir, Sénine. Ah, là, il y a un mystère ici. Là, il y a l'or. Voilà, on va. Il y a un mystère, il y a l'or, tout ça. Donc, on va essayer de se faire un peu de ressources, tout ça. Et on continuera la quête, vous inquiétez pas. Là, c'est une petite balade. Ah, c'est les cerfs, putain, je suis en train de me dire, mais what? Ah, je pensais que je pouvais couper l'arbre, tu vois. Je me suis dit, je vais couper l'arbre, tout sera bien, tranquillou. Ça les corbeaux. Et toi Justy, t'aimes bien le jeu alors? Est-ce que tu le trouves sympa, joli tout ça? En même temps de pouvoir faire des streams en 1080p les gars, vous allez vous régaler à tête de la mer. Vous allez kiffer sa race. Là on est bloqué à 720p. Alors, mystère. Attends, et tu verras. Il doit bien être quelque part. Qu'est-ce qu'il cherche, lui? Je crois que vous avez oublié quelques endroits. Que cherchent ces hommes? Mon peigne. La personne qui le trouvera gagnera une soirée en ma compagnie. Tu veux essayer? Si je vais essayer. Je vais trouver, moi, ton peigne, tu vois. Il n'y a pas de peigne. Elle m'a arnaqué, il n'y a pas de peigne. Remonte. On va mourir, remonte. J'ai commencé par Brotherhood. Ah moi j'ai joué à tous les assassins, ouais moi même le premier et tout. Je pense que ceci t'appartient. Arrêtez de chercher. On a retrouvé mon peigne. Nous avons un gagnant. La récompense pour qui trouve mon peigne, c'est un peu de mon temps. Une promenade dans la nature. Voire plus, si la conversation nous y entraîne. Oh. Je vois. Je te suis.
Tu es différent de ceux que mes manœuvres attirent généralement. Sérieux, orné et délicat. Délicat ? Délicat. Les autres ressemblent à des gourdins. L'autre, il trache les têtes aux jeunes, c'est. Alors que tu es aussi agile qu'un bateau. Ça va être chaud, les gars. Manques-tu de prétendants au point de te contenter du premier bûcheron ou viking ? J'ai été mariée. Mon Alfie est mort il y a 5 ans. Nous avons vécu une union idéale. Je n'en désire pas d'autre. Mais dois-je me priver pour autant d'attention ou d'amour jusqu'à la fin de ma vie ? Je ne crois pas. Et le peigne ? Un peigne, une broche, un bracelet, peu importe. Tant qu'il est perdu et retrouvé par une main secourable. Cela donne-t-il naissance à de belles histoires ? Oui. Oui. J'ai cru un jour avoir affaire au même homme 3 fois. J'en ai eu des frissons. Mais en réalité, ce n'était que des triplés. Si ce peigne n'a aucune valeur pour toi, que vais-je donc en faire ? Tu peux le garder pour te coiffer. Ou je peux m'en charger, si tu préfères. Me coiffer ? Est-ce pour cela que tous ces hommes étaient aussi assidus ? Je pourrais faire davantage que te coiffer. Je pourrais dompter tous tes nœuds et tracas, si tu le désires. Allez. Les épaules bien tendues et le cheveu trop farouche. Un peu de douceur me ferait du bien, oui. Ça va être chaud, alors, les gars. Alors laisse-moi faire. Ah oui, je vais te laisser faire. Ah oui, oui, oui. Quoi ? On voit rien, c'est le mec. Je comprends pas, je croyais qu'on allait voir. La voix ferme, mais le toucher délicat. Cela m'a plu, Eivor. Garde le peigne en souvenir. Merci. Tu as dénoué des tensions que je ne pouvais atteindre tout seul. Oh. On sait, j'allais au moins avoir une toutoune là, sur ce bordel. Ah, ça a bien changé Assassin's Creed quand même. Hein. À une époque, ce type. Mais il y avait des trucs à ramasser ici. Les musiques, elles sont belles. Là, les musiques, elles envoient du sauciflard. Moi aussi, je sais chanter pareil. Ah, elle est belle, la musique. Je sais chanter pareil, moi, Justine, mais bon, il n'y a jamais personne qui prête attention à ma belle voix. Hey, hey. Mec, il a tout déglingué. Quoi, il y avait un truc encore là-bas? Il y avait un truc encore là-bas. Sapristi! Non, toi, je m'en fous. Ah, il y a un truc sous la cascade. Il y a un trésor sous la cascade, on va aller faire un tour. Il y a eu un problème ici. Tu glisses pas sur le rocher. Merde, il est passé où ce trésor? Attendez. Oh, celui-là, je crois qu'il va être chaud. J'ai besoin de ta vue, mon ami. Richesse, ouais, il y a une richesse encore. L'oiseau il meurt, t'sais. Le corbeau il est mordi. Il est plat, il est passé où ce. Ah, il est juste là. Ah non, il est plus haut. Oh. Il est vraiment plus haut le truc.
Ah, je sais pas s'il est plus haut ou pas en fait, j'arrive pas trop à cerner le truc. Deviens mes yeux. Attends, je vais essayer de descendre à sa hauteur pour essayer de voir s'il est si c'est plus haut ou pas. Vous voyez ce que je veux dire? Ah, je suis trop. Ah ouais, je suis beaucoup trop. Non, normalement, je suis à la bonne. Attends. C'est très très mal expliqué le truc. Pour le coup, c'est pas pratique. Bon, on va pas s'attarder sur un truc voilà qu'on ne trouvera pas. Oh merde. Bon, concernant les quêtes, affaires de famille. Réconfort d'une volvache, partie à bataille pour la voie du Nord, chapitre 2, et voir, rentre en fond d'affaire d'un père adoptif. Mais là, ouais, il y a un truc mystérieux ici. Non, je voulais mettre s'accroupir. S'accroupir, c'est pas descendre. Là, il y a une grotte. Alors, ce que je me demande, c'est le bois. Où c'est que je vais le trouver, ce fucking bois? Tu vois ce que je veux dire? Parce que ça, c'est le village. Ouais, c'est cool. Merde, je voulais. Là, on dit qu'il y a une terre en fait. Voilà. Il est con ce cheval ou quoi? Ah, même pas 55 mètres. Ah, ça va être la bagarre. Mais descends maintenant! Putain, il est gros ce truc! Bah, il est sous ma gueule, il me dit à 55 mètres et il y a un truc et là il me sort que la bagarre elle est. Ok, c'est dans la grotte, obligé. C'est bien l'entrée d'une grotte. Ouais, c'est l'entrée d'une grotte ça là-bas. On va aller y faire un tour. On va aller y faire un petit tour. Je suppose que ça doit être en dessous, c'est pour ça que je trouve pas le truc. Intéressant tout ça. Ça va faire la bagarre dedans. Chose me dit que ça va faire la bagarre.
ceci serait utile à Valkalavera. Si tu es à la recherche d'un ours, il n'y en a aucun par ici, en ce moment. Mais j'ai mieux à te proposer qu'une part. Tu es bien loin du foyer le plus proche, guerrier. Ouais. Est-ce que c'est ici que tu vis ? Je m'appelle Eric Crâne Royal. C'est le nom que m'a donné le grand roi Ragnar Lodbrok lorsque nous mettions en pièces l'Angleterre. Nous avons fondé des familles, renversé des rois, gravi des montagnes, combattu des saisons entières. Et aujourd'hui, il n'est plus là. Toute la Norvège, comme moi, pleure la mort du roi Ragnar. J'ai peine à imaginer le chagrin que ressentent ces guerriers. Il n'en reste que six. Ses plus loyaux Drengir. Mais sans lui pour nous guider, sans sa force et sa vision, nous sommes perdus. C'est dans cette caverne que j'ai su que ma vie était liée à celle de Ragnar. Nous étions jeunes. Nous chassions un ours quand nous avons trouvé cet endroit. Il l'a tué armé d'un simple couteau. Il a bondi sur son dos, s'est cramponné comme une mouche sur un dragon. Et il a frappé. Ensemble, nous avons célébré sa mort, comme si nous fûmes deux à l'avoir tué. Et à cet instant, j'ai su que j'allais vivre et mourir pour cet homme. Je n'ai pas fini mes jours auprès de mon roi dans la fosse aux serpents d'Ael. Mais je peux encore me racheter. Combat-moi, guerrier. Envoie-moi auprès de lui dans la halle d'Odin. Ce sera un honneur d'affronter un vrai Drengr. Dès que tu seras prêt. Très bien. Pour Ragnar Lodbrok, le vrai roi de Norvège. Quoi, ta mère ? What ? Mais c'est une pute, lui ! Mais what ? Le mec qui te parle, gros, est d'un coup de zigouille la gueule ! Mais what the fuck ? Un peu d'honneur, mec. Laisse-moi le temps de reculer, au moins. Oh la vache ! Oh, le mec, il m'a défoncé. Le mec, littéralement, il m'a pris, il m'a démonté. Je viendrai te faire la bagarre plus tard, toi. Je dois encore grimper de niveau. Inspecte les alentours, Céline. Ah. Il y a encore un secret là-haut, là. Et là, il y a un trésor, là. Ah, tu vas pas t'accoupler avec un autre truc. Ah, il m'a défoncé, par contre. Enculé. Ah ouais, mais là, il rigole pas, lui. Hein. Amène-moi, machin, défonce-moi la gueule, autre, il m'a éclaté, mien. C'est chaud à tartiflette, hein. Attends, ouais, c'est plus vers là qu'on a vu le truc. Je suis sur le cul, quoi. Oui, bah tu peux parler, Elodie. Oui, dans 5 minutes, tu t'en vas. Voilà. Dans 5 minutes, tu t'en vas. T'inquiète, y'a pas de problème. De toute façon, j'ai dit que ce serait un petit live. Juste le temps, vu qu'après, il y a les petits et tout. Faut aller chercher les petits. Juste histoire de. J'espère que je descends pas trop bas. Je crois que c'était plus en haut. Ah, c'est beau, hein, regardez ça, les effets de lumière et tout, ils sont sympas quand même. Qu'est-ce qu'on a trouvé? Ça, c'est cool. On a trouvé des bonnes choses. Ah, je l'ai loupé. Non. Ouais, comment je fais pour louper ça? Ah.
Voilà. Allô, Amway. Sapristi. Prochaine fois, on m'attaquerait pas par derrière, salopard. Bon, là-haut, il y avait un truc. Ah ouais, ça doit être peut-être... Je comprends pas, j'avais mon chevreuil, non, non. Mais... monture. Attends, monture, t'es pas comme ça du tout, normalement. Ok, compétence. Ça, je l'ai pas fait, ça. J'avais oublié. C'est quoi, ça? Corps à corps. Dégâts du corps à corps à qui... On va prendre une de chaque. Voilà. Mais normalement, attendez, normalement, j'avais inventaire. Je dois avoir un inventaire sur la monture de base, non? Même pas, c'est pas comme sur. Attaque 50. Ah merde, elle est beaucoup plus puissante celle-là. Attaque 69, étourdi, nanana. Ah, elle a plus de vitesse celle-là parce que je l'ai augmenté, mais on augmentera celle-là, elle m'a l'air pas mal aussi. Ah, je peux mettre deux haches, ouais. Pourquoi on peut pas mettre deux haches? Ah, doit être tenu par la main principale. Voilà, ok. D'accord, ok. Ah, ça c'est dommage par contre qu'on puisse pas... ouais, c'est un petit peu dommage. C'est un petit peu dommage qu'on ne puisse pas genre avoir deux grosses haches dans les mains, voyez-vous. Rejoindre le marqueur sur la carte. Qu'est-ce qu'il me fait? Mais non, mais pas ce marqueur là, je vois aller là-haut moi. Je vais aller en courant, j'irai plus vite. Tu prends une chevreuil, mais tu peux pas grimper plus avec quoi, donc au final, autant l'emporte le vent quoi. Là, il y a un truc là que je dois faire, ça j'aime bien, ça va nous faire un peu le tour de l'endroit, ça va nous débloquer un petit peu les choses, on va pouvoir voir à certains endroits ce qui est le plus ou moins intéressant. Ok, là il y a une rune, mais je verrai la rune après. Oui, je sais, j'ai dit, mais... Je l'ai fait exprès de dire chevreuil, t'inquiète. T'inquiète pas, je l'ai fait exprès. Il faut pas croire, mais bien souvent quand j'ai des trucs, c'est régulièrement fait exprès. Vous inquiétez pas. Ça c'est du métal, non? Minerai de fer, voilà. Ça c'est... La synchronisation, quoi. Normalement, on doit pouvoir sauter en même temps, mais bon. Ah! What? Zéro dégâts? Oh là, c'est abusé quand même. Là, c'est vraiment abusé. Là. C'est... Je veux bien que ce soit un viking, le bordel, mais. Les minerais de fer, on va le péter. Voilà, on va récolter le fer. Comme ça, on pourra améliorer.
Normalement, j'étais mort là. T'es d'accord avec moi, Justy, hein? J'étais mort là, normalement. Je pouvais pas vivre. Ouais, le mec il tombe, si tu vois la caméra qui tremble et tout. Non, non, lui il tombe, il fait une roulade et tout va bien. C'est reparti pour un tour. Judiki. Mais c'est vrai que c'est abusé quand même. Il aurait dû mourir quoi. Ouais, je vais. Ouais, t'inquiète, je vais jouer à le truc. Ouais, t'inquiète. Ouais. Non, c'est pas ça que je voulais, c'était ça. Sois mes yeux, Sinin. Ok. Je peux pas le retirer ça. Bon Justy, ça va être déjà la fin du live. Je suis vraiment navré. Ça va être l'heure du bibi pour le petit. Ensuite, il faut aller chercher petit tout ça. Donc c'était vraiment un petit live matinal tout simplement pour faire plaisir et puis. Puis pour qu'on se parle un peu, patati patata, enfin voilà, tu m'as compris. En tout cas, ben merci mon coco d'être passé. J'espère que ce petit live t'aura fait plaisir. Et puis, je te dis à la prochaine. Et puis, gros bisous, bye bye. Allez, bisous mon ami. C'est l'histoire d'une testicule et qui court.